Check it out. Salut tout le monde! J'ai été me promener et j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Je vous montre. Tada! Oui! J'ai trouvé un magasin Sephora, pas très loin de chez moi. Enfin, pas très loin aussi quand même, mais bon, c'est pas 3 heures de route quand même. Donc je suis très contente, j'ai enfin trouvé les produits dont vous parliez depuis longtemps. Et donc voilà, je suis très heureuse. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Bien sûr, je ne pouvais pas passer chez Sephora sans prendre cet article. C'était impossible. Mais il fallait. Regardez. Voilà. La eyeshadow primer d'Urban Decay. Alors, je trouve l'emballage très joli. Voilà, regardez comme c'est beau. Et alors, bon, je l'avais jamais vu, hein. Enfin, si, sur les vidéos, bien sûr. Mais je l'avais jamais eu en main, je l'avais jamais vu en vrai. Je trouve que ça fait un peu. Ça fait un peu mille et une nuits, Aladdin. Je sais pas, moi ça m'a fait penser à ça. Vous voyez le design. Bon, voilà, bon, c'est une. Tout le monde connaît, hein. Voilà, j'ai pris la celle de base, hein, donc sans couleur. J'ai pas encore testé parce que j'étais déjà maquillée, donc je testerai demain. Mais je ne doute pas que ce sera génial. Je vais faire des bons. Alors, bien sûr aussi, on peut pas aller chez Sephora en ce moment sans prendre des nouvelles de la fameuse palette Alice in Wonderland. Donc j'ai demandé à une gentille demoiselle qui travaillait là, elle m'a demandé, j'ai demandé, bon voilà, je voudrais savoir si par hasard vous avez encore la palette Alice au Pays des Merveilles. Elle m'a regardé, elle m'a dit, quoi, pour petite fille, elle m'a fait. J'ai dit, non, pas pour petite fille, j'ai la palette d'Urban Decay, la palette complète. Elle ne comprenait pas. C'est pas possible, mais où est-ce que je suis tombée encore, voilà. Elle dit, écoutez, je vais demander à ma responsable. Donc, une autre jeune dame arrive, très gentille. Et alors, je lui demande, je lui pose la même question. Oh, elle me dit, ma pauvre dame, elle me dit, mais non, on en a plus, c'est en rupture de stock et je ne pense pas qu'on en aura encore. Et bon, je disais, tant pis. Alors, je refais un tour et puis elle me vient deux minutes après vers moi et elle me dit, par contre, qu'elle me dit, qu'est-ce qui vous intéressait vraiment dans cette palette? J'ai dit, écoutez, il y avait les fards qui avaient l'air merveilleux et c'était surtout pour ça que je la voulais. Elle me dit, bah, écoutez, j'ai un autre produit à vous proposer, de chez Urban Decay aussi. Donc voilà ce qu'est. Bon, je vais retirer l'emballage, ça brillera vachement moins déjà. Donc voilà ce qu'elle me propose. C'est une palette. Vous voyez, elle est très belle. Alors c'est un peu. Là c'est du velours. Hein. Donc c'est tout en relief. Donc je m'indiquais. De l'autre côté. Donc la taille, ben, elle fait la taille de ma main. J'ai des grandes mains, précision. Et alors, il y a 10 fards. Avec un petit miroir. Mon miroir, j'essaie de ne pas vous montrer, ça fait la flèche. Bon, voilà. Avec les noms dessus. Donc, elle me dit que les fards qui sont ici étaient pratiquement tous dans la palette Alice in Wonderland. Donc, bon, évidemment, les fards sont un peu plus petits. Je pense que dans la palette Alice in Wonderland, il y en avait plus. Cela, j'en ai 10. Mais bon, je suis contente quand même. J'ai une mini palette Urban Decay. Elle est trop jolie, regardez-moi ça. Regardez le design. C'est trop beau. Je suis toute contente. Et alors à l'arrière, il y a toutes les couleurs présentées sur un petit carton. Ben voilà. J'ai pas encore testé non plus. Et j'ai pris aussi... Pour me remettre de ma déception de mes pinceaux, je reviendrai pas. Hein, ça. Bon, je retirerai l'étiquette après. J'ai pris un pinceau. J'ai pris le pinceau
creux paupières numéro 13 de chez Sephora. Voilà, qui se présente comme ça. Qui a l'air pas mal du tout. Et vous savez quoi? Il perd pas ses poils. Ça, c'est le premier truc que je regarde maintenant quand j'achète un pinceau. Si je regarde s'il perd ses poils. Et non, pas. Ah! Et c'est en poils naturels, je crois, celui-là. À tester demain aussi. Demain, j'ai du boulot, hein. Je vais tester beaucoup de choses. J'ai pris aussi un fard de chez Sephora aussi. J'ai pratiquement pris, à part les deux palettes sur Urban Decay, ben j'ai pris que des produits Sephora. J'ai parce que bon, on dit du bien, et puis ils sont un petit peu moins chers que les autres produits qui sont présentés dans chez Sephora. Donc j'ai pris. Donc un petit bulle, c'est pas une bulle, c'est un fard. Voilà. Il y a une marque de doigt, c'est la mienne. J'ai pris la couleur numéro 21, le Cocoa Powder. C'est très 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 beau. C'est une couleur un peu mate. Je vous montre. Enfin, mate, il est irisé quand même. Hein. On voit quelques paillettes. Mais très légère. Il tient bien. Il tient super bien. Et je me suis aussi acheté. Après, c'est tout, hein, parce que. C'est cher tout ça. Je me suis acheté la Sephora Sculpting Disc. Donc pour me sculpter le visage. Ça me paraissait super sympa. Bon, c'est une grosse boîte qu'on ouvre. C'est une griffe. Et à l'intérieur, il y a déjà un grand miroir. Je trouve ça super pratique, mais vraiment grand. Et voilà, vous avez ceci. Alors, vous avez, je vous explique. En gros. Oh oh. Coucou. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Vous avez une poudre matifiante qui est celle-ci. Donc, poudre matifiante. Vous avez un blush, donc le plus foncé, ici, donc pour mettre dans les creux. Et vous avez une poudre illuminatrice, ici, pour l'arcade sourcière, pour l'arête du nez, les pommettes. Voilà, je trouvais ça super sympa d'avoir tout en un comme ça. Et avec un grand miroir. Voilà. Voilà, c'est tout. Bah, j'ai reçu bien évidemment plein d'échantillons. Pas mal de parfums. Ouais, beaucoup de parfums. Des petits échantillons bien sympathiques. Et je me suis pris la carte Sephora, bien sûr. Qui, au bout de 4 passages en caisse, on a 10% sur un achat. C'est toujours ça de prix. Voilà, j'ai donc, je suis contente. Surtout pour ça. Et surtout pour ça. Voilà, c'est tout. Je vais m'amuser à tester ça demain. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.